Wesh, bien quoi, tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Et voilà, ton gars Fodji Sissoko est de retour pour te décortiquer toutes les affaires qui peuvent se passer dans notre société. Et là, il y a une affaire qu'on n'arrête pas de voir tous les jours, partout. On n'arrête pas de nous bassiner avec cette histoire. Ça concerne Pierre Palmade. Il se trouve littéralement dans la panade. T'es pas au courant de ce qu'il a fait? Tu viens d'où? Hein? Réveille-toi! Calme-toi! Laisse-moi t'expliquer. Laisse ton gars faire. Pierre Palmade a causé un accident mortel. Mortel! Il a causé la perte d'un enfant. Une femme enceinte a perdu son enfant. On a un homme qui est entre la vie et la mort. Il y a un enfant dans le coma et son visage est littéralement défiguré. Comment il va faire? Comment il va faire? On n'oublie pas les victimes. Mais là, ce qu'on est en train de voir dans les grands médias, c'est que M. Pierre Palmade fait partie de la maison, c'est-à-dire la bourgeoisie. Parce qu'on n'arrête pas de voir des justifications, des excuses, alors que cet accident, il l'a causé sous emprise de la drogue! Oh là là! Mais dans quelle vie, dans quel monde vit-on? Vous vous rendez compte de la violence de la bourgeoisie? Ils vont donner des excuses à cet homme qui a causé un accident sous l'emprise des stupéfiants. Des stupéfiants, il a consommé les stupéfiants. On est où comme ça? On est là, on peut consommer les stupéfiants tranquillement. On prend le volant et oh là là, et pof! Là, on se rend compte qu'il y a une différence de traitement de la part des grands médias. Eh oui, et moi, je peux vous le dire. Parce que là, si tu retournes l'affaire, tu mets un prolétaire au volant qui cartonne un bourgeois, je peux te dire que l'affaire, elle est traitée d'un autre angle et ça va être totalement différent. T'allumes la télé, tu vois normal Pascal Praud ou je sais pas qui en train de dire, mais en fait, pourquoi les pauvres ont des voitures? Je ne comprends pas. Les pauvres ne devraient pas avoir de voiture. Non, mais je suis d'accord avec vous. Quelqu'un qui gagne moins de 1500 euros, bah, franchement, il fonce dans le mur. Oui, non, mais attendez, vous avez raison. Hein, franchement, la pauvreté ne devrait pas se retrouver sur les routes. Hein? Un pauvre restera pauvre et il est pauvre. Dans l'esprit, il devrait marcher, quoi, comme un pauvre. Je ne vois pas ce que les pauvres font dans les voitures. Il faut privatiser toutes ces routes. Hein? Il faut les garder pour nous, pour la bourgeoisie, pour les riches. Ces belles routes, nous sommes les forts, c'est nous qui les avons construites. Nous avons investi et en plus, on pourra consommer et conduire. Ah, voilà, c'est ça qui va se passer. Hein? Tu te rends compte? On ne parle pas des victimes.